Salut tout le monde, c'est ProGamer1500. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto. Et oui, de tuto. Aujourd'hui, on se retrouve pour comment faire le canapé que je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Quand j'ai fait dans la maison, quand j'ai présenté les maisons de Joséphie 2003. Oui, mon ami qui parle anglais. Je vais vous montrer comment faire ce canapé-là et comment faire une genre de statue. Vous voulez le canapé, j'imagine. Donc, juste pour vous faire crier, je vais commencer par l'autre tuto. Premièrement, vous avez besoin de la glowstone, de n'importe quelle dalle que vous voulez, du verre, moi j'appelle ça de la vitre, Minecraft Pro ID de vidéo. On a besoin un piston, une torche de red et un œuf de ce que vous voulez. Et un Enderman. Là, normalement, je vais mettre 4 de vite. Et là, il va falloir que vous en mettez 5. Vous allez comprendre dès que vous allez avoir vu le tuto. Donc, moi, vu que j'ai mis en pacifique, je vais faire avec un villageois. Premièrement, vous mettez en comme ça, regardez, un genre de croix, mais avec rien au milieu. Mettez 2 de glowstone, 4 de vitre, puis si vous faites avec un Enderman, vous en mettez 5, mais là je vais faire avec un villageois. Je vais rentrer dans ta chambre. Non. Oh. Et là, là, si vous êtes avec un Enderman, normalement, il va avoir un comme ça, donc vous allez briser celui-là. Mais moi, non, donc je vais le remettre. Avec un à deux, vous allez briser celui-là. Et c'est ça. Et là, après ça, vous mettez le piston en envers. Vous enlevez la glowstone qui est ici. Vous mettez votre spawner. Je sais pas trop qu'est-ce que vous allez utiliser. Vous mettez ça, n'importe quel bloc, ça dérange pas. Et une torche de reine. Et regardez, on enlève tout sauf ça. Et regardez, une genre de mini statue. Vous avez vu? Et maintenant, passons au canapé. Qu'est-ce qu'on a besoin? Premièrement, on a besoin... Ben, moi, j'aime la laine rouge. Après ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Les sables des âmes. On a besoin d'un minecart, un chariot de mine si vous aimez mieux. Excusez-moi de retourner en arrière, sauf que c'est un peu dur de savoir tout ce qu'il faut. Une dalle de pierre, après vous pouvez choisir n'importe quelle dalle que vous utilisez. N'importe quelle dalle que vous utilisez pour faire vos canapés. Un piston. Et les torches de raid. Si vous êtes en survie, je vais vous dire tout ce que vous avez besoin le nombre de fois. Ok. Premièrement, je vais prendre le truc deux fois. Sable des âmes, vous avez besoin de deux. De ça, vous avez besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez besoin de 6 laine rouge ou de n'importe quelle laine que vous prenez. Des minecartes. Vous avez besoin de 2, normal ça va à côté. Piston, vous avez besoin de... Mais attends. Piston, vous pouvez en prendre 2. Ou vous mettez la dalle en premier, vous enlevez le piston et vous le remettez de l'autre côté à place de crafter 2 pistons. Même chose pour la touche de redstone. Normalement, je vais vous faire ce qu'il faut. Et une rail, vous pouvez faire la même chose. Et je crois que des dalles de pierre, vous en avez besoin de 2. Ok, on commence. Premièrement, vous faisiez votre contour de 6. On va compter bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bien 6. Là, les deux trous ici, vous mettez des sables des âmes pour le Minecraft. Pourquoi les sables des âmes? Parce que sinon,
Le minecart, dès qu'on embarque dessus, il va avancer. Tandis que le sable des gemmes, regarde, quand on est dedans, on dirait qu'on est rentré. Donc, c'est pour ça qu'il faut ça. Donc, après ça, vous faites comme ça, comme que j'ai fait. Vous mettez une raille, un minecart, et vous le déposez. Et là, il va tomber, normalement, comme ça. Je sais pas si ça marche sur l'ordi, il faudrait essayer. Même sur l'autre côté. Normalement, vous êtes comme ça. Là, vous mettez les pistons devant comme ça. Des dalles comme ça. Des torches. Vous enlevez. Et vous avez votre canapé. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé amusez-vous, comportez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, laissez un petit commentaire. Si vous avez apprécié, un like, ça me ferait toujours plaisir. Et à proche pour un nouveau tuto ou une autre vidéo. Bye bye les gens. Bye bye.